Salut, salut, j'espère que vous allez super bien. De retour pour un nouveau tuto. Aujourd'hui encore, nous allons découvrir une nouvelle application qui va vous aider énormément. Donc, si toi aussi tu es passionné de nouvelles applications, tu es vraiment un passionné de nouvelles technologies, tu veux apprendre les applications, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne Info et Astuces d'Abidjan et tu verras que chaque jour tu auras une nouvelle application qui te sera présentée, qui te sera vraiment utile. Donc, si tu es nouveau sur cette chaîne, que tu viens à peine de tomber sur cette vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner et aussi à partager la vidéo à tes amis pour que eux aussi ne ratent absolument rien des nouveaux tutos. Aujourd'hui encore, nous allons découvrir une nouvelle application. Si toi aussi tu as toujours rêvé d'avoir ce genre de clavier, comme vous pouvez le voir, mon clavier est assez stylé et vous avez plusieurs possibilités. Plusieurs autres claviers vraiment impressionnants que vous pouvez utiliser sur votre téléphone. Moi, j'ai choisi le clavier comme un éclair, comme vous pouvez le voir. C'est super joli, surtout quand il fait nuit. Je vous laisse imaginer un peu quand il fait nuit, comment le clavier éclaire la maison et c'est super beau. Donc, ensemble, nous allons découvrir l'application et on va voir comment vous pouvez l'activer. Donc, déjà, l'application se nomme Neon LED Keyboard. Je vais d'abord réinitialiser pour qu'on puisse faire l'installation ensemble pour ne pas que d'autres me disent qu'ils n'arrivent toujours pas à faire. Comme ça, on va voir tout ce qu'il faut activer afin d'en arriver là. Donc, déjà, lorsque vous allez rentrer dans l'application nouvellement, elle va se présenter comme ça. On vous demande d'activer le clavier français LED. Donc, vous appuyez sur OK et vous allez venir choisir Neon LED Keyboard français ici juste en bas et vous allez appuyer sur OK. Voilà. Une fois que vous avez appuyé sur OK, vous allez voir qu'il y a plusieurs modèles de clavier qui vous sont présentés. Moi, j'ai choisi ce modèle à Tinder. Vous pouvez le voir ici. Tinder, c'est ce modèle-là que j'ai choisi comme un éclair sur le clavier. Là, on va fermer la publicité. Vous voyez, c'est ce modèle-là que j'avais choisi. Mais il y a plusieurs autres modèles. Il y a ce modèle-là avec les LED qui clignotent. Voilà, il y a ce modèle-là. Il y a ce modèle-là aussi. Voilà. Donc, il y a plusieurs modèles. À vous de choisir un peu le modèle que vous appréciez afin de pouvoir personnaliser votre téléphone. Voilà, il y a ce modèle-là qui est le modèle qui est le plus beaucoup utilisé sur le Google Keyboard. Voilà, il y a ce modèle-là aussi en rouge et tout. Donc ici, ça va être vraiment à vos appréciations. Vous pouvez le voir. Il y a vraiment plusieurs modèles de clavier. Voilà, celui-là qui note avec un cœur. Voilà, il y a plusieurs modèles de clavier. À vous de choisir le clavier. Vous pouvez même ajouter votre photo en fond. Ça dépend de vous. Si vous venez ici, vous appuyez sur personnaliser, vous entrez dans mon album, vous allez pouvoir mettre votre photo en fond. Voilà. Donc ici, voilà, on met mon album. Et vous allez pouvoir mettre votre photo en arrière-plan. Donc là, je vais choisir un clavier. Je choisis mon même clavier là, il me plaît bien. Le mode éclair, on va fermer la publicité. Voilà, on ferme la publicité. Obtenez le thème, vous voyez, application du thème. Voilà, une fois que c'est fait, vous voyez que le clavier s'active automatiquement. C'est lui qui est en bas là. Et vous pouvez l'utiliser dans à peu près toutes les applications que vous voulez. Voilà, vous pouvez l'utiliser dans toutes les applications que vous voulez. Vous allez voir que ça passe super bien. Voilà, vous pouvez même régler la couleur de vitesse, la couleur de gramme. Ça dépend un peu de vous. Voilà, il y a la couleur de vitesse. Vous voyez que quand j'augmente, c'est plus rapide. Quand je diminue, c'est plus lent, vous voyez. Et aussi, il y a la couleur de game ici, vous voyez. Plus je diminue, il y a plusieurs effets. Plus je augmente, c'est assez rapide. Donc, vous pouvez personnaliser tout ce système-là. Il y a la police de caractère aussi que vous pouvez personnaliser. Il y a le son. Si vous voulez qu'il y ait un son lorsque vous tapez le clavier, vous avez cette possibilité-là d'activer le son. Voilà, d'activer le son et tout. Ici, vous avez cette possibilité aussi de pouvoir avoir des magasins d'autocollants. Si vous voulez avoir des autocollants directement dans les claviers, vous avez plusieurs magasins d'autocollants qui vous sont présentés. À vous de choisir l'autocollant que vous voulez activer. Voilà. Une fois que vous avez téléchargé un autocollant, ça va venir directement dans votre autocollant. Ici, il y a les réglages ici. Vous pouvez régler le réglage. La langue, ça dépend de vous. Voilà. Mais bon, on voit qu'il y a quand même des petites publicités dans l'application, hein. Mais bon, c'est pas bien grave. Voilà, il y a la langue, il y a le clavier, volume sonore, les styles saisis perso. Voilà. Donc, il y a plusieurs paramètres ici. Si vous voulez afficher le nombre,
Vous pouvez afficher les nombres ici, tout juste en haut ici, comme ça pour vous faciliter la tâche. Au lieu de venir appuyer sur le petit bouton des nombres ici, il y a les nombres qui sont affichés directement en haut du clavier. Là, vous n'avez vraiment plus besoin de vous fatiguer. C'est comme si vous avez un clavier ordinaire de vous. Vous pouvez activer les vibrations à chaque touche. Vous pouvez afficher les clés spéciales pour avoir directement les différentes clés spéciales sur votre clavier ici. Voilà. C'est vraiment super génial. Et activer l'entrée par gestes. Vous pouvez faire des gestes pour écrire plus rapidement sur le clavier. Voilà. Et il y a même aussi de proposer des noms de contact. Utiliser des noms de contact pour des suggestions de correction. Vous pouvez l'activer aussi. Là, ça va directement dans vos contacts. Voilà. Donc, pour avoir l'application, c'est vraiment tout simple. Vous allez venir sur Play Store. Si vous n'êtes pas encore dans la communauté, puisque je vais envoyer l'application dans la communauté. Si vous n'êtes pas encore dans la communauté, si vous voulez l'avoir sur Play Store, vous venez simplement sur Play Store et vous écrivez Neon LED. Une fois que vous avez écrit Neon LED, vous allez pouvoir télécharger ce clavier-là et vous allez pouvoir l'utiliser comme vous le voulez. Vous voyez que c'est super génial, c'est super pratique. Lorsque vous faites nuit, ça éclaire super bien votre clavier et ça donne un peu du style à votre clavier. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager la vidéo à vos amis. Ciao, ciao.